Les Canadiens, alors il y a une ligne qu'on appelle l'expressionnisme subjectif, qui est très explicite, une ligne contemplative, qui est très importante dans la collection, une ligne popiste. Popiste, c'est à voir avec la culture populaire, la ville, les nouveaux médias, etc. Et une ligne musique-son, qui est aussi très représentée dans la collection contemporaine. Les quatre séquences de cette exposition renvoient aux lignes de la collection d'art contemporain. C'est-à-dire des lignes qui sont plus sensibles, j'allais dire, que proprement conceptuelles, mais qui existent de façon structurelle pour la collection contemporaine. Et on essaye de juxtaposer des œuvres fondamentales qui correspondent à la démonstration voulue. Alors quand on prend le cri de Munch et qu'on regarde le cri de Bacon et qu'on voit la façon dont Schwerbeck, qui est moins connu, on induit de ce qu'on connaît le dialogue possible, bien sûr. Cassant les règles de l'époque, la provocation est payante, c'est-à-dire que c'est cette provocation même qui les a imposées définitivement comme référence et qui perdure finalement. Aussi bien, on a derrière moi le cri de Munch qui a dit une fois pour toutes, je crois, et en cassant toutes les règles stylistiques, j'allais dire, de l'époque. Et je crois que chacune des lignes, c'est devant moi. Malevitch, Rothko, c'est la même chose. Et Giacometti, avec une ligne dans l'espace qui définit la solitude définitive de l'être dans le monde. Tous ces artistes-là ont constitué en effet des repères par rapport à tout ce qui existait avant. Je crois que l'ouverture de cette collection à Paris mobilisait l'intérêt, ça c'est certain.